commencé à travailler en juin, on n'avait pas beaucoup de temps et on a travaillé les pays invités qui étaient déjà choisis, mais je crois que la Russie c'était un choix très bon parce que c'est méconnu en Espagne. Mais je voulais faire des autres projets, je voulais faire cette liaison avec l'Amérique latine, l'institutionnaliser d'une façon ou l'autre. Et on a engagé les trois commissaires latino-américains pour les Solar Projects. Et aussi on a commencé un nouveau projet pour les jeunes galeries, la Thèse Mappa, européenne, qui s'appelle Opening, où il y a une vingtaine de galeries. Et que je crois que c'est un des projets qu'on va développer dans le futur à Arcos. Les collectionneurs sont choisis par les galeries, alors ça dépend des profils des galeries qu'on a à la foire des collectionneurs. Pour nous, ça ne sert à rien d'avoir des collectionneurs de Picasso, même s'ils sont super connus à la foire, s'ils ne vont pas acheter des galeries qui sont là. Alors, il doit y avoir toujours un rapport entre les galeries qui sont à la foire et les collectionneurs invités. Je ne sais pas, il y a eu un rapport... Il n'y a pas un rapport culturel très fort pour l'instant. Mm-hmm. Je parle de jeunes artistes russes, de l'art contemporain. On connaît bien sûr l'art plutôt classique, de bout des siècles, mais on ne connaît pas tellement le côté de l'art contemporain. Et c'est pour ça que c'est intéressant de les montrer ici à Arcos. Je crois que la crise est là, il faut avoir des idées pour connaître la crise et si on n'a pas une demande à l'intérieur, avoir des collectionneurs invités. On a fait un nouveau programme pour des premières collectionneurs à la foire qui s'appelle First Collectors. On a fait pas mal de choses pour parce qu'on est dans une étape de crise. De toute façon, je suis tout à fait d'accord, la situation c'est assez peculiaire, mais je crois que de toute façon, la situation maintenant en Espagne, c'est beaucoup mieux que ça fait 15 ans que je commençais à la foire, où il n'y avait pas tellement de collections, de collectionnaires. Alors, je crois qu'il faut s'habituer à la nouvelle situation et être réaliste au ça. Yes, in this scope, of course, because this is the year Russia-Spain. So within the program of this year, this Focus Russia, ARCO, Russia is invited country, the ARCO is the first event, and there will be a series of Russian events covering different epochs and different periods of Russian art in Spain and some Spanish art events in Russia. Mm-hmm. So it will be a huge program all year long. Well, I made my selection alone, and of course Olga Sviblova is among the invited institutions. Okay. Multimedia Art Museum is among the invited institutions because they are really an important player in the Russian art scene.
Unfortunately, yes, it still is somehow complicated for younger artists to make exhibitions anywhere, including, of course, international scene, because it requires much more budget than in Russia. Mm-hmm. But they are searching for these possibilities. They are making foreign residencies, so somehow they find ways to expose. Okay, thank you very much. You're welcome. Généralement, nous participons avec des solo projects. Ouais. Et ici, on a accepté de proposer 3 artistes pour le 30e anniversaire de l'Arco. Qu'est-ce que vous pensez d'Arco? Est-ce que vous pensez que c'est une foire qui est encore... Je n'ai pas encore fait le tour. Non, mais... Mais elle essaye de se renouveler, donc à peu près comme toutes les grosses foires européennes, elle est en plein questionnement. Et donc, justement, ça m'intéressait de participer à ces nouvelles propositions. Maintenant, on verra ce que ça va donner. Je n'ai pas fait le tour de la foire, donc je ne sais pas encore vous dire qualitativement ce que je pense de la foire. Mais ça démarre bien, on a un très beau public aujourd'hui de ce qu'ils appellent les super VIP. Mmh. Voilà.